nous sommes les tripeuses de Duse et nous marchons pour la santé mentale. Good boy! Beau bison! Alors Caroline, on continue à marcher au centre-ville à Yellowknife. Mais avant d'y aller, on aimerait remercier qui? Les membres de la piscine municipale qui nous a laissé prendre notre douche ce matin gratuitement. Et M. Darren. Oui, on l'a rencontré tantôt lorsqu'on a été faire le Santé McMahon. Puis, il nous a suggéré de venir marcher en ville avant de partir. À tantôt! Bienvenue à les Troopers Trotteuses. Je suis la mairesse de Yellowknife et j'espère que tu as un bon voyage ici et que tu peux visiter beaucoup de notre magasin et parler avec nos résidents. Alors, on vient tout juste de terminer notre marche au centre-ville. Puis, on a eu la chance de rencontrer la mairesse qui nous a proposé quelques endroits à visiter avant de partir. Donc, à suivre! En ville, nous nous sommes arrêtés au centre d'information où est-ce qu'on a pu voir une vidéo d'aurore boréale. C'était vraiment spécial. Oui, parce que étant donné qu'on est l'été, le soleil est là trop longtemps, ça fait qu'on peut pas les voir, ça fait qu'on les a vus de cette façon-là. Mm-hmm. On a eu un diplôme pour avoir visité le 60e parallèle au nord. Ah, on a été voir aussi le centre de diamants. Oui, intéressant. mini diamant. Mais en regardant comment ils font ça, puis tous les efforts, puis en tout cas, c'est incroyable comment ils travaillent fort à cet endroit-là pour justement recueillir ces diamants-là. Donc, les personnes qui les portent, il y a quelqu'un qui a travaillé fort en arrière. Justement. Donc, la tour était vraiment... on a eu une genre de tour guidée, puis c'était vraiment intéressant. Et là, on est rendu au Down to Earth Gallery. Puis, il y a des belles choses, Caroline. Je crois que c'est des artistes locaux. Oui, qui ont... font tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est fait par les personnes de la région. Donc, lorsqu'on achète pour des cadeaux souvenirs, ben, on sait qu'on aide quelqu'un de la région, puis c'est bien. On a aussi été visiter l'association francophone culturelle de la région. C'était intéressant. On a pu voir qu'il y avait aussi une station de radio francophone. Oui. Ils étaient occupés, donc on est arrivé comme un cheveu sur la soupe, mais ils ont pris le temps de nous accueillir quand même, puis on a eu une belle discussion avec eux autres aussi. Oui. Puis là, maintenant, on s'apprête à aller visiter la galerie qui est juste à côté, qui s'appelle Midnight Sun. Donc, on va voir si c'est encore des artistes de la région. Oui. On va voir ça. Puis on se revoit tantôt. Merci, Manon, pour la belle suggestion de venir à la galerie Midnight Sun. Je me suis trouvé une belle tasse que malheureusement vous ne pouvez pas voir parce qu'ils l'ont enveloppée. Et je me suis trouvé une belle petite sacoche avec une libellule, puis un porte-monnaie aussi avec des libellules.
Donc, si vous avez la chance de venir à Yellowknife, c'est un bel endroit. Les gens sont accueillants. On a même eu la chance d'être servi par quelqu'un de francophone. Oui. Donc, ici aussi, on a des artisans qui vendent leurs produits. Donc, à plus tard! Bon, Caroline, notre visite à Yellowknife s'achève. Donc, avant de partir, on veut vraiment remercier certaines personnes qui nous ont aidés lors de notre parcours. Fort Providence. Oui. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'on avait une crevaison, il y a un gentil monsieur qui s'appelle Brian qui a pris le temps de faire le changement pour me permettre de me rendre un peu plus loin. Donc, on s'est rendu ici à Yellowknife, au Canadian Tire. C'est sûr, ça prend un rendez-vous. Encore là, on veut remercier les personnes qui ont gentiment placé notre nom sur la liste d'attente, si on veut, parce que il y avait, heureusement, des personnes qui ne se sont pas présentées à leur rendez-vous. Donc, on a pu prendre leur place et faire tout ce qu'on avait besoin de faire pour repartir en toute sécurité. Donc, merci beaucoup. On apprécie. Sur ce, direction 60e parallèle. À demain!